السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم en cette soirée du mercredi 11 شوال 1430 de l'Hégire. Ce qui correspond, Inch'Allah Ta'ala, avec le mercredi 30 septembre 2009, d'après le calendrier des chrétiens. Inch'Allah Ta'ala, nous allons lire un peu du fabuleux livre de Ibn al-Qayyim al-Rahmatullah, qui s'appelle Madarij al-Salikin Bayna Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Et, Inch'Allah Ta'ala, quand on terminera, on répondra à certaines de vos questions, en commençant par celles, Inch'Allah Ta'ala, qui ont rapport avec le cours, si c'est possible, bi'idhna azza wa jalla. Donc, je dis maintenant aux admins que maintenant, moi, c'est-à-dire, il y a un livre entre mes mains et que je ne peux pas savoir ce qui se passe dans les salons, dans les deux salons. C'est pour ça que si jamais il y a quelque chose, ou bien le micro me tombe, ou quelque chose comme ça, vous mettez un point rouge et vous prenez le micro et vous me dites, et vous m'arrêtez. Inch'Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, a dit dans Madarij al-Salikin, tome 3, page 196, il parlait de l'étrangeté de cet islam, l'étrangeté des musulmans, l'étrangeté de ceux qui se cramponnent et s'accrochent au Coran et à la Sunna, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs. Et il dit que, en fait, il y a trois sortes d'étrangeté. Il parle de la première. Le premier type d'étrangeté, il dit, c'est l'étrangeté des élus d'Allah Azzawajal et de son messager, alayhi salatu salam, parmi tous les autres humains. Et cette étrangeté est celle qui a été louée par Allah Azzawajal et par son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a cité certains hadiths qu'on va citer, Inch'Allah, Azza wa Jal. D'après Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Bada'a l'islamu ghariban, wa sa'udu ghariba, fatouba lil ghuraba. » D'après Abu Huraira, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « L'islam a commencé étranger. » Et certains disent « étrange ». Bizarre, il paraissait étrange et bizarre, et il redeviendra, c'est-à-dire encore une fois, étranger comme il a commencé. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, alors toba aux étrangers, toba à ces étrangers qui vont s'accrocher à l'islam. Quand il a dit toba, on a dit plusieurs fois que ça veut dire annoncer la bonne nouvelle à ces étrangers. On a montré plus d'une fois que il y a un hadith authentique, authentifié par Sheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, où il est dit que Toba, c'est un arbre au paradis. C'est un arbre au paradis. Et dans certains hadiths, que cet arbre, pour le traverser, il faut 100 ans. 100 ans à vol d'oiseau pour pouvoir traverser l'ombre de cet arbre, Masha'Allah Azza wa Jal. Et pourtant, il y a de l'ombre sans qu'il y ait de soleil. Tout est possible chez Allah Azza wa Jal. C'est un autre monde. Ce n'est pas
comme ce monde. Naam, c'est un autre monde, un soleil, enfin une ombre sans soleil, bi'illah azzawajal. Parmi les particularités de cet arbre aussi, qu'on a cité une fois, c'est que les gens, lorsqu'ils veulent, naam, changer d'habit, car au paradis, on ne va pas rester avec les mêmes habits des milliards et des milliards et des milliards d'années, comme ça toute l'éternité. Mais les gens changeront d'habits, je ne sais pas quand est-ce, peut-être une fois par jour, peut-être toutes les demi-heures, peut-être Allah Azzawajal alam, peut-être aussi d'après leurs envies. Il y en a ceux qui ne veulent pas changer qu'une fois par semaine, il y en a qui veulent changer tout le temps et comme ça. Cet arbre, quand la personne veut changer d'habit, il veut de nouveaux habits, qu'est-ce qu'elle fait? C'est là-bas, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle y va. Parce que cet arbre, comme chez nous par exemple, les arbres donnent les fruits, cet arbre spécialement, il donne des habits. Naam, Masha'Allah, les habits en satin, les habits en. Yani, que yani, on n'aura jamais vu et qu'on ne pourrait jamais trouver dans ce bas monde, bi'idhna azzawajal. Maintenant, quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que, yani, annoncer la bonne nouvelle aux étrangers alors. On lui a dit, les compagnons lui ont dit, Ya Rasulullah, qui sont ces étrangers? Yani, fais-nous comprendre, qui sont ces étrangers? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui remettent, ce sont ceux, yani, plusieurs versions, une des versions, ce sont ceux qui remettent droit ce que les gens ont corrompu. Ce sont ceux qui remettent droit ce que les gens ont corrompu. Disons ce que les gens ont dévié. C'est un hadith rapporté par Muslim dans son Sahih, numéro 45, et jugé authentique par Sheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, dans Silsila Sahiha, hadith numéro 1273, et aussi dans Sahih Al-Jami', 1576, et aussi dans Sahih Sunan Ibn Majah, hadith 3200. 21, 3223, entre la page mettre droit rompu et dévié. Il y a des gens qui, mashallah, Allah Azzawajal, leur a mis de la lumière dans leur cœur, et leur a donné, mashallah, yani, une force comme ça et de la science pour pouvoir quoi? Pour pouvoir corriger ce que les gens ont dévié. Dans une autre version, on demanda au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont ces étrangers? Il a répondu, ce sont ceux qui corrigent les gens lorsqu'ils deviennent corrompus. Là, il n'a pas dit, il corrige, yani, ce que les gens ont corrompu. Mais il a dit, il corrige les gens elles-mêmes. Naam, les gens, lorsqu'ils deviennent corrompus. Ce hadith est rapporté par Abu Amr al-Dani à partir du hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Et selon l'Albani, rahmatullah, le hadith est authentique. Voir Silsila Sahiha 1273. Dans une autre version, il a dit en réponse à la même question, il a dit, ils sont un petit groupe de gens vertueux, dont, parmi une population majoritairement corrompue, c'est-à-dire déviée du droit chemin. Il a dit, ceux qui leur désobéissent, c'est-à-dire s'opposent à eux, sont plus nombreux que ceux qui leur que ceux qui leur obéissent. C'est-à-dire, sont plus nombreux que ceux qui les suivent. Ça, c'est aussi un hadith authentique, voir Silsila Sahiha de Cheikh Al-Albani, hadith numéro 1669. Il a dit en arabe, je vais trouver ici le hadith en arabe, il a dit, Nasun salihuna qalil, qalil, un petit groupe de gens vertueux, fi nasin kathir, dans une population majoritairement corrompue. Men yasihim akthar mimman yutiruhum, ceux qui leur désobéissent sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent. Et pour savoir que cette étrangeté, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose, si c'est l'étrangeté dans le dîn,
Rappelez-vous le hadith de Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, qui est un hadith authentique, comme on va voir, où Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, akhada bi ba'di jasadi. C'est-à-dire que le messager d'Allah m'a pris de quelque part de mon corps, peut-être des épaules, peut-être du cou, peut-être de la main, et il m'a dit, kun fi dunya ka'annaka gharib ou abir sabil. Kun fi dunya ka'annaka gharib ou abir sabil. Vis dans ce monde. Le messager, alayhi sallam, dit au fils de Omar ibn Khattab, il lui dit, vis dans ce monde comme si tu étais un étranger ou un voyageur. وعد نفسك في أهل القبور et compte-toi parmi ceux qui sont dans les tombes et compte-toi parmi les morts. Hadith authentique d'après l'Albani rahmatullah, voir Mishkat al-Masabih, hadith 5273. Donc regardez le messager d'Allah, quel conseil il a donné à ce compagnon. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Vis dans ce monde comme si tu étais un étranger, naam, ou un voyageur, et compte-toi parmi ceux qui sont dans les tombes. Parce que celui qui vit comme un étranger, vous savez que, yani, il ne se mélange pas beaucoup avec les gens. Parce que les gens, la plupart quand vous allez le voir, ne sont pas, yani, sur le droit chemin. C'est toujours un petit groupe qui est dans le droit chemin. Et l'étranger, il est là toujours, yani, il a peur, il ne sait pas son pays. Donc toi, tu es dans cette dunya toujours peureux. Hein? Tu n'es pas dans ta maison la vraie qui se trouve dans l'au-delà. Tu as peur, hein, de ne pas arriver à bon port. C'est pour ça que tu, yani, fais tout ton possible pour, yani, arriver à bon port. Ensuite, il a dit, ou un voyageur. Ou alors, yani, vit dans ce monde comme un voyageur. Un voyageur, il a toujours dans sa tête que quand est-ce que je reviens chez moi, quand est-ce que je reviens chez ma famille, quand est-ce que je reviens chez mes enfants, quand est-ce que je reviens dans mon pays, et comme ça. Donc le voyageur, ici, c'est celui qui, du matin au soir, se dit, quand est-ce que je vais rencontrer Allah Azza wa Jal, quand est-ce que je vais voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce que je serai parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala hum, assis au paradis. Quand est-ce que je rentrerai au paradis? Quand est-ce ceci? Et comme ça. Naam. Et il a dit, et compte-toi parmi ceux qui sont dans les tombes. Naam. Dis-toi que d'un instant à l'autre, naam, tu risques d'être toi aussi dans la tombe. Tu risques de mourir, c'est-à-dire. À chaque minute, à chaque seconde, maintenant, nous, on est en train de parler, on est, hein, vous m'entendez en direct, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui viennent de mourir à la seconde où je vous ai parlé. Des centaines, voire des milliers dans le monde qui viennent de mourir à cette seconde. Subhanallah al-Azim. Donc, la personne qui n'oublie pas la tombe et qui y pense toujours, cette personne a toujours peur et cette personne est toujours bien préparée pour l'au-delà. Quant à celui qui oublie la tombe et oublie la mort, celui-là, bien sûr, il va vivre avec les passions et les désirs jusqu'à ce qu'il se retrouve dans sa tombe alors qu'il n'a rien préparé pour ce jour-là. Ensuite, Ibn al-Qayyim al-Rahmatullah a dit, il a dit, فَهَاُولَٰئِ هُمُ الْغُرَبَاءُ الْمَمْدُوحُونَ الْمَغْبُوطُونَ. Il a dit, ceux-là, ce sont les étrangers élogieux. Ce que Allah Azza wa Jal et son messager ont loué. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il faut aspirer à être comme eux. C'est pour ça que Allah Ta'ala a parlé d'eux. C'est pour ça que le messager d'Allah a parlé d'eux. Donc, aspirer à être comme eux. Ensuite, Ibn al-Qayyim dit, وَلِقِلَّتِهِمْ فِي النَّاسِ جِدًّا سُمُّوا غُرَبًا فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصِّفَاتِ. Ibn al-Qayyim a dit, et vu leur petit nombre parmi les autres gens, on les nomme les étrangers. Et vu leur petit nombre parmi les gens, les autres gens, on les nomme les étrangers. Il a dit, car la plupart des autres gens n'ont ni leurs qualificatifs, ni leurs aspects, et ni leurs comportements. Vous savez, vous remarquez que
celui qui s'accroche bien à son dîn, de tout temps, il paraît étranger par rapport à ceux qui ne s'y accrochent pas vraiment. Naam. Que ça soit dans les qualificatifs, que ça soit dans l'aspect, dans le vêtement, ou bien dans le comportement. Naam. D'ailleurs, vous remarquez, même, yani, des fois dans un pays musulman, et celui qui s'accroche à la sunna, naam, on le voit comme un étranger, il se sent lui comme un étranger. Qu'en est-il? Celui qui vit, par exemple, parmi les koufars. Ensuite, Ibn al-Qayyim, rahmatullah, dit, فَأَهْلُ الْإِسْلَامِ فِي النَّاسِ غُرَبَاء. Il a dit, les gens de l'islam, c'est-à-dire les musulmans, sont des étrangers parmi les autres gens, c'est-à-dire les mécréants. Donc les musulmans, parmi les mécréants, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont des étrangers. Un mécréant, il s'étend des musulmans. C'est quoi cet habit? C'est quoi cette prière? C'est quoi ceci? C'est quoi cela? C'est quoi ce hajj? C'est quoi ce siyam? Donc, il est net, il est un étranger parmi les kuffars. Ensuite, il a dit, وَالْمُؤْمِنُونَ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ غُرَبَاء. Et les croyants eux-mêmes sont des étrangers parmi les musulmans. Parce qu'il y a le musulman et ensuite le croyant. Et ensuite, il y a plus haut le bienfaisant. Non. Donc, le croyant, c'est un étranger parmi les musulmans. Comme le bienfaisant est un étranger parmi les croyants. Non. Donc, il a dit que les croyants étaient des étrangers parmi les gens de l'islam. Comme j'ai dit tout à l'heure. Non. Quelqu'un qui s'accroche bien à son dîn, parmi les musulmans, parmi ses parents qui sont musulmans depuis 80 ans, non, il paraît étranger. On leur dit, subhanallah al-azim, ton grand-père, ça fait 70 ans qu'on le connaît, il ne nous a jamais dit cette chose. Comment se fait-il que toi, aujourd'hui, cette chose devient du dîn? Ta grand-mère, ça fait 60 ans qu'elle fait la prière. Et elle n'a jamais dit ça, ou l'a entendu ça, ou bien vu ça. Donc, vous êtes venu avec une étrange religion. Vous êtes venu avec un nouveau dîn. Naam. Et les gens de la science, attendez, il a dit en arabe, وَأَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُؤْمِنِينَ غُرَبَاء. Et les gens de la science, c'est-à-dire la science religieuse, sont des étrangers parmi les croyants. Et les gens de la science sont des étrangers parmi les croyants, c'est-à-dire parmi les gens de la masse. Parce que les gens de la masse sont des musulmans, mais ils n'ont pas de science. Alors, lorsque quelqu'un a de la science, il commence à dire cette chose est haram, cette chose est ceci, cette chose est cela, ça les étonne. Subhanallah, c'est quoi ça? On n'a jamais entendu ça. Pourquoi ils n'entendent jamais? Parce que ce sont des gens de la masse. Ce sont des gens qui ne cherchent pas la science. Ce sont des gens qui ne disent pas. Ce sont des gens qui n'écoutent pas les doros. Et quand tu lui dis, Allah Ta'ala a dit, et le prophète a dit, il s'étonne. Non. Alors qu'en fait, si lui il lisait, ou si lui, par exemple, il écoutait les doros, il n'aurait jamais été étonné. Mais l'étonnement vient du fait que quoi? Comme je viens de dire, vient du fait que ce sont eux qui sont loin du dîn. Non. Ce sont eux qui sont loin du dîn et loin de la quête de la science. Non. Ensuite, Ibn al-Qayyim, rahmatullah, a dit, وَأَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِينَ يُمَيِّزُونَهَا مِنَ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ فَهُمْ غُرَبَاء. Il a dit, et les gens de la sunna, et les gens de la sunna, ceux qui la discernent des passions et des innovations sont des étrangers. Naam. Chaque personne qui s'accroche bien à la sunna et qui refute, il n'aime pas les innovations et les innovateurs et ne suit pas les passions et ne côtoie pas les gens de la passion aussi, les gens des passions. Ceux-là, ils deviennent des étrangers dans la société. Naam. وَالدَّعُونَ إِلَيْهَا الصَّابِرُونَ أَذَى الْمُخَالِفِينَ هُمْ أَشَدُّ هَؤُلَاءِ غُرْبًا. Il a dit, quant à
parce qu'on vient de parler de seulement qui suivent la sunna. Quant à ceux qui exhortent les gens à suivre la sunna, quant à ceux qui exhortent les gens et invitent les gens à suivre la sunna et qui endurent le tort et le mal de ceux qui les contrarient, ceux-là sont les purs, les plus étrangers. Naam. Donc celui qui s'accroche à la sunna, c'est un étranger. Mais celui qui maintenant invite les gens, c'est pas seulement il s'accroche, mais lui, il invite les gens à suivre la sunna. Celui-là, bien sûr, c'est le plus étranger des étrangers. Ensuite, Cheikh Rahmatullah dit, وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ حَقًّا فَلَا غُرْبَةَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا غُرْبَتُهُمْ بَيْنَ الْأَكْثَرِينَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْغُرَبَاءُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ وَغُرْبَتُهُمْ فِي الْغُرْبَةِ الْمُوحِشَةِ وَإِنْ كَانُوا وَغُرْبَتُهُمْ هِيَ الْغُرْبَةُ الْمُوحِشَةُ وَإِنْ كَانُوا هُمُ الْمَعْرُوفِينَ المشار إليهم وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم. Ensuite, Cheikh Rahmatullah dit, mais ceux-là, en vérité, sont les gens d'Allah Azzawajal. Même si pour les autres, ce sont des étrangers, ce sont des gens bizarres, ce sont des fous, mais en vérité, chez Allah Azzawajal, ce sont les gens d'Allah Azzawajal, les élus d'Allah Azzawajal, les élus du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'en vérité, ce ne sont pas des étrangers. Chez Allah Ta'ala, ce ne sont pas des étrangers. Mais leur étrangeté vient du fait qu'ils soient peu nombreux comparés aux autres nombreux dont Allah Azzawajal a dit dans le Coran. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah Azzawajal. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Sourate 6, verset 116. Donc vous avez entendu ce que Allah Azza wa Jal a dit à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, la plupart, alors ils t'égareront du sentier d'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire, il y a une minorité qui est sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Alors prends garde, que, attention, que tu obéisses à la majorité. Car la majorité qui sont sur la terre sont égarés du sentier d'Allah Azza wa Jal. Ils ne suivent que la conjecture au lieu de suivre le Coran et la Sunna d'après la compréhension des salafs. Non, ils suivent la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Il a dit, Allah Azza wa Jal aussi, وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ. Il a dit, mais la plupart d'entre vous sont des pervers. Sourate 5, verset 59. Qu'est-ce qu'il a dit? La plupart d'entre vous sont des pervers. Donc vous remarquez dans ces deux versets que la majorité, c'est quoi? La majorité, ce sont ceux qui sont loin de l'agrément d'Allah Azza wa Jalla, loin de son sentier. Parce qu'il a dit, la majorité de ceux qui sont sur la terre sont égarés. Et il a dit, la plupart d'entre vous sont des pervers. En revanche, Allah Azza wa Jalla a dit, كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, vaincu une troupe très nombreuse. Sourate 2, verset 249. Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, regardez, c'est pas par les armes ni par les fusées, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, a vaincu une troupe très nombreuse. Donc, l'essentiel, c'est pas qu'on soit nombreux. L'essentiel, est-ce que on est sur le vrai sentier ou on ne l'est pas? Naam. Cinq qui sont sur le sentier peuvent battre 100 qui sont sur le mauvais sentier, le faux sentier. Et comme a dit le compagnon, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le jama'a, c'est-à-dire le groupe, la communauté, c'est le Coran et la Sunna, même si tu es seul. Naam, voir le livre Al-Faqih Al-Mutafaqih Al-Mutafaqih Al-Mutafaqih
de Khatib al-Baghdadi, numéro 3, page 299. Qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, je répète, il a dit Al-Jama'atu antakuna al-kitab ou sunnah. Dans une autre version, Al-Jama'atu antakuna al-haq wa in kunta wahdak. Le groupe, c'est quand on est sur le Coran et la sunnah, même si on est seul. Naam. Et comme a dit Ibrahim Nakhai, comme a dit Ibrahim Nakhai, il a dit, le groupe, c'est d'être avec la vérité, même si tu es seul. Voir le même livre, tome 3, page 300. Donc, ceux qui disent que on est nombreux, on est mashallah, on est un grand groupe, on leur dit, c'est pas ça l'essentiel. Sommes-nous sur le vrai chemin? Ou là sommes-nous sur le faux? Si on est sur le vrai chemin, il n'est plus important qu'on soit nombreux. Et si on est sur le faux chemin, ça nous ne sert à rien d'être nombreux. Et comme disaient les pieux prédécesseurs, comme disait Salaf, qu'est-ce qu'il disait? Comme disait l'un d'eux, il disait, si je n'oublie pas, si je n'ai pas oublié, c'est le Fudayl ibn Ayyad. Wallahu ta'ala alam, si j'ai une bonne mémoire. Il disait, suis le chemin de la guidance et ne te chagrine pas du petit nombre qui la suit. Naam, suis le chemin de la guidance et accroche-toi au vrai sentier et ne te chagrine pas du petit nombre qui la suit. Car il y a toujours seulement un petit nombre qui suit le vrai sentier. Et il a dit ensuite, et prends garde du chemin de l'égarement. Et ne te laisse pas séduire par le grand nombre des perdants qui le suivent. Subhanallah, vous avez remarqué ce qu'il a dit. Une phrase qu'on devrait écrire en or. Non, une phrase qu'on devrait écrire en or, qu'on devrait accrocher sur le mur pour la voir, dans notre chambre, pour la voir et la lire jour et nuit pour ne pas l'oublier. Qu'est-ce qu'il a dit? Je répète. Chemin de la guidance et ne te chagrine pas du petit nombre qui la suit. Parce que certains, même s'ils sont sur le vrai chemin, ils ont encore ce complexe, ou bien cette faute, de regarder le nombre. Et il te dit, subhanallah al-azim, on est seulement deux ou trois, comment on va faire? On est seulement quatre ou cinq, et ils deviennent chagrinés. Et s'il leur dit, ne te chagrine pas du petit nombre qui la suit. Naam, il y a avec toi Allah Azza wa Jal. Sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a avec toi le sentier des compagnons. Naam. Et il dit, et prends garde du chemin de l'égarement. Mais attention, ne te laisse pas séduire par le grand nombre. C'est, comme a dit Allah Ta'ala tout à l'heure, la plupart de ceux qui sont sur terre sont égarés. Il a dit, la plupart de vous sont des pervers. Donc si la plupart sont égarés et la plupart sont des pervers, donc c'est seulement la minorité qui à le ravissement d'Allah Azza wa Jal. Donc ceux-là, c'est-à-dire ceux qui sont nombreux, mais loin du chemin d'Allah Azza wa Jal et de son messager, ceux-là, ce sont eux les étrangers par rapport à Allah Azza wa Jal, par rapport à son messager, par rapport à sa religion. Même si parmi les gens, ils sont réputés et très connus. Naam. Je vais lire ça en arabe, pour ceux qui aiment l'arabe. Naam. Il a dit, si je le trouve, pour ne pas perdre de temps, je n'ai pas trouvé maintenant, mais il est là dans le livre. Je répète ce qu'il a dit. Il a dit, ceux-là, c'est-à-dire ceux qui sont loin, ceux qui sont nombreux, mais loin du chemin d'Allah et de son messager, ce sont ceux-là les étrangers par rapport à Allah Azza wa Jal, à son messager, à sa religion, même si parmi les gens, ils sont très connus, ils sont très réputés. Car, je dis, à quoi ça sert d'être très connu et d'être très réputé si je suis loin d'Allah Azza wa Jal et de sa religion et je ne suis pas aimé par Allah Azza wa Jal? Et peut-être que je suis maudit par lui, par son messager et par les anges. À quoi ça me sert
d'être très connu et très réputé? Est-ce que moi je vis pour cette dunya? Est-ce que je vis pour que je sois connu, pour que j'ai des fans qui me suivent? Ou là je vis pour connaître Allah Azzawajal et pour connaître le vrai sentier pour le suivre et pour rencontrer Allah Azzawajal demain, ravi de moi? Sûrement que c'est la deuxième. Et lorsque, écoutez bien ici ce qu'il dit, ولما خرج موسى عليه السلام هاربا من قوم فرعون انتهى الى مدين. Il a dit, et lorsque le messager d'Allah, Moussa, alayhi salatu salam, sorti d'Égypte, fuyant les gens du pharaon, il a dit, lorsqu'il arriva à Médine, une ville à quelques kilomètres de Tabouk, en Arabie Saoudite, il a dit, al al-hali allati dhakara Allah, comme Allah Ta'ala l'a décrit dans son Coran. Naam. Il a dit, wa huwa wahidun, gharibun, khaifun, ja'i'un. C'est-à-dire que Moussa alayhi salam arriva à cette ville médienne. Comment qu'il arriva? Il arriva esseulé. Il était seul, étranger, effrayé, craintif, affamé. Alors il a dit, Ya Rab, wahidun, maridun, gharibun. Ya Allah, ô Seigneur, quelqu'un décelé, de malade, et d'étrangers. Faqil lahu. Alors on lui a dit, Ya Moussa, al-wahidu man laysa lahu mithli anis. Ô Moussa, laisse-les, c'est celui qui n'a pas quelqu'un qui lui tient compagnie comme moi, c'est-à-dire Allah. Laisse-les, c'est quelqu'un qui n'a pas quelqu'un qui lui tient compagnie comme moi. Wal maridu man laysa lahu tabibun mithli. Naam. Et le malade, c'est celui qui n'a pas un guérisseur comme moi. وَالْغَارِيبُ مَنْ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُعَامَلًا. Et l'étranger, c'est celui qui, entre moi et lui, il n'y a pas de relation. Allahu Akbar. Donc, quand il a dit que je suis seul, on lui a répondu, Nam, laisse-les, c'est celui qui n'a pas quelqu'un qui lui tient compagnie comme Allah Azza wa Jal. Nam. C'est pour ça que quelqu'un qui est loin d'Allah Azza wa Jal, loin de son sentier, loin de l'islam, loin de la charia, loin de la sunna, c'est quelqu'un qui va se sentir toujours seul, même s'il est entouré de centaines de personnes. Car au moment où il est entouré, naam, c'est juste ces moments où il va oublier. Mais dès qu'on le quitte, naam, il va se sentir le plus esselé au monde. Car son cœur est vide. Son cœur ne contient pas naam, yani la lumière, ne contient pas yani la force qui peut l'aider. Son cœur est faible, vide. C'est pour ça que Allah Ta'ala, lorsqu'il parle des hypocrites, qu'est-ce qu'il dit dans Sourate Al-Munafiqun? Ka'annahum khushubun musannada. Yahsabuna kulla sayhatin alayhim. Naam. Il dit ce sont comme des planches qu'on met comme ça contre le mur. Une planche. Qu'est-ce un tronc d'arbre? Un tronc d'arbre, naam, mashallah, grand et lourd. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. C'est pour ça que les savants et les selfs ont toujours dit, ils ont dit que l'hypocrite est fort de corps, très faible de cœur. Et le croyant est faible de corps, très fort de cœur. Naam. L'hypocrite, comment qu'il est? Très fort de corps. Il n'arrête pas de manger du matin au soir, jusqu'à ce qu'il vomisse le soir. Il n'arrête pas de manger. Naam. Mais, juste une petite maladie, un petit rhume, une petite grippe, naam, il commence à trembler, mais il a peur, il ne sait pas d'où il est venu, où il va aller, est-ce qu'il va mourir, et s'il va mourir, qu'est-ce qui va se passer? Naam. Et comme ça, c'est toujours comme ça le mécréant. Et le musulman, le miskin, naam, il est là avec un corps faible. Naam. C'est la prière de la nuit. C'est le jeûne du jeudi et lundi. C'est le 13, 14, 15. C'est la prière. C'est ceci, c'est cela. Naam, toujours. Mais là, il a un cœur, mashallah, du fer. Naam. Il arrive. Qu'est-ce qu'il arrive? Il est là, inébranlable, lui, il n'a pas de naam. Subhanallah, l'azim.
Il a dit ici, cette étrangeté, il a dit en arabe, وَهَذِي الْغُرْبَةُ قَدْ تَكُونُ فِي مَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ وَوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ وَبَيْنَ قَوْمٍ دُونَ قَوْمٍ. Il a dit, cette étrangeté peut se produire dans certains endroits sans d'autres, comme elle peut se produire dans certains moments sans d'autres, comme elle peut se produire parmi certaines catégories de gens sans d'autres. Naam. Donc cette étrangeté peut se produire dans certaines villes, pas dans d'autres, dans certaines familles, pas dans d'autres, dans certains pays, pas dans d'autres, et comme ça. Il a dit ensuite, mais il a dit, ces étrangers-là, ce sont vraiment, yani, ceux qui constituent le vrai peuple d'Allah Azzawajal. فإنهم لم يأووا إلى غير الله ولم ينتسبوا إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدعوا إلى غير ما جاء به. Il a dit, pourquoi? Ils constituent le vrai peuple d'Allah car ils n'adorent personne ni rien à part Allah Azzawajal. Ils ne se proclament dans une aucune afwan. Ils se proclament dans aucune dans une ils ne se proclament dans aucune voie non, aucune voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'exhorte les gens à ne suivre aucune prescription autre que celle transmise du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ce sont ces étrangers, ce sont eux qui se sont démarqués des gens lorsqu'ils avaient le plus besoin d'eux. Ce sont eux qui se sont démarqués des gens lorsqu'ils avaient le plus besoin d'eux. Naam. On va lire ça en arabe, inshallah ta'ala. Ils se sont, je répète, démarqués des gens lorsqu'ils avaient le plus besoin d'eux. C'est pourquoi, au jour du jugement dernier, lorsque chaque groupe de personnes ira vers ceux qu'ils adoraient sur terre, ces gens-là, c'est-à-dire les étrangers, resteront figés à leur place. Et il leur sera dit, n'allez-vous pas rejoindre un groupe comme les autres l'ont fait? Ils vont répondre, nous avons abandonné les gens et nous les avons quittés lorsque nous étions sur terre, au moment où nous avions le plus besoin d'eux, yani, plus besoin d'eux qu'aujourd'hui. Alors, nous attendrons donc notre Seigneur que nous avions l'habitude d'adorer. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. En fait, Bukhari et Muslim rapportent dans un hadith authentique que le jour du jugement dernier, Allah Azzawajal va venir aux gens avec une autre image que sa vraie image. Avec une autre. Pour que les gens, yani, ne le reconnaissent pas. Ensuite, il va dire que chaque groupe, ou bien il va dire aux anges de dire, que chaque groupe aille vers son idole, vers ce qu'il adorait dans cette vie. Alors, ceux qui suivaient les statues iront chercher leur statue. Ceux qui suivaient Jésus iront chercher Jésus. Ceux qui suivaient le soleil iront chercher où se trouve le soleil. Ceux qui adoraient les arbres iront chercher les arbres. Et comme ça. Il y a seulement ces gens-là, que je viens d'appeler ici les étrangers, c'est-à-dire ceux qui suivaient les Corans, le Coran et la Sunna dans cette dunya, et paraissaient, tellement ils suivaient, tellement ils appliquaient, qu'ils paraissaient étrangers par rapport aux autres gens. Donc ceux-là resteront figés à leur place. Et Allah Ta'ala va leur dire, n'allez-vous pas rejoindre un autre groupe comme les autres l'ont fait? Ils répondront non. Nous avons abandonné les gens et nous les avons quittés. Et nous nous sommes démarqués d'eux lorsque nous étions sur terre, au moment où nous avions plus besoin d'eux qu'aujourd'hui. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on va les suivre? Nous, quand on était dans la vie, dans cette dunya, on s'était démarqués de ces gens-là, des gens de la bid'a, des gens de l'innovation, des gens des plaisirs, des gens des tentations, des mécréants, des hypocrites. On s'était démarqués d'eux.
comment se fait-il qu'aujourd'hui on les suive? Alors, Allah Ta'ala leur dira, alors, qu'est-ce que vous attendez donc? Ils diront, nous attendrons notre Seigneur. Naam, on va attendre notre Seigneur, nous, qu'on adorait dans notre vie. Et là-bas, Allah Azzawajal montrera son tibia, naam, et bien sûr, alors les gens feront la prosternation que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide, qu'on fera. C'est la seule prosternation qui existe dans l'au-delà, quiconque la fera. Alhamdulillah, ça veut dire que, bi-idhnillah azzawajal, yani, il sera parmi ceux qui seront au paradis, même s'il doit passer d'abord par l'enfer. Mais celui qui ne la fera pas, et que Allah Ta'ala lui mettra yani, comme une barre de fer dans son dos, imaginez la colonne vertébrale qui devient de fer. La colonne vertébrale, Allah Ta'ala l'a créée de sorte qu'elle puisse se plier. Naam, il y a des os comme ça, il y a de l'espace entre les os, du cartilage, etc., pour pouvoir naam, se plier, mashallah, et faire l'inclination et prier, etc. Imaginez que yani, on est une barre de fer dans le dos. Donc, les hypocrites, les mécréants, quand ils vont essayer de se prosterner, tellement ils auront peur, qu'est-ce qui va se passer? Ils tomberont sur leur dos et sur leur tête de derrière. Ainsi, il est évident. Bon, je vais arrêter, inshallah ta'ala, de lire en arabe, parce que, yani, ça va prendre beaucoup de temps et il faudrait que je finisse, inshallah ta'ala. Ainsi, il est évident que cette étrangeté, c'est-à-dire de celui qui suit le Coran et la Sunna, masha'Allah, cette étrangeté ne cause aucun languissement ou chagrin ou esseulement à celui qui la vit et la subit. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Celui qui suit le Coran, la Sunna, masha'Allah, yani la quête de la science, la vraie science, naam, il est loin des innovations. Celui-là, jamais, 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 il ne se sentira seul. Au contraire, je dis, au contraire, quand il est avec les gens, des fois il voudrait les quitter pour être seul. Car il sait qu'en étant seul, il est avec Allah Azzawajal. Et qu'en étant avec les gens, il l'entrave. Surtout, 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 s'ils ne sont pas dans le dîn. Ils commencent à dire n'importe quoi. Et à dire des sottises, à parler dans le vide. Et à ceci, à cela, il se sent, parmi eux, il se sent esseulé. Non. Et s'il est seul, il les quitte. Ils se sont accompagnés. Subhanallah, vous l'aurez, Inch'Allah Ta'ala, que vous l'avez tous vécu. Cette chose, Inch'Allah Ta'ala, le vrai croyant, la vie, quand il y a la foi dans ton cœur, Masha'Allah, qui te chatouille, tu la sens dans le cœur, quand tu es avec des gens comme ça qui sont loin, tu es pressé pour les quitter. Pressé, pourquoi? Parce que tu te sens esseulé, étrange. Ils sont en train de parler des choses qui n'ont rien à voir, des choses loin, 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 des choses qui durcissent le cœur. Tu voudrais les quitter pour être seul. Car étant seul, naam, tu te sens yani, accompagné, tu te sens avec Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tu sens yani, la foi dans ton cœur. El-Mohim, il a dit, bien au contraire, cette étrangeté est une étrangeté réconfortante, une consolation pour le croyant. Parce qu'il sait que ses alliés sont Allah, son messager et les croyants, même si tous les gens l'ont abandonné. Naam. C'est un peu comme disait Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah. Vous connaissez ce qu'il disait, sa phrase célèbre. Il disait, que vont faire les ennemis de moi? Que vont faire mes ennemis de moi? Naam. Il dit, s'ils me mettent en prison, il dit, s'ils m'expulsent, s'ils m'expulsent, mon expulsion, c'est quoi? Mon expulsion, c'est du tourisme. S'ils me mettent en prison, ma prison, c'est de l'adoration. Naam. Et s'ils me tuent, ma mort, c'est un martyr. Naam. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de moi? Me tuer, je meurs martyr. Ils me mettent en prison. Yousuf alayhi salam est rentré des années avant moi en prison. Ibada. D'ailleurs, quand il l'a mis en prison, on l'a mis deux fois en Syrie. Et en Égypte, il a, je crois, lu 40 fois le Coran ou 60 fois, par cœur. Il le révisait. Non. Et les livres qu'il a écrits quand il était en prison, sauf l'Azzawajal les connaît.
Allah l'a dit. Il a dit, pourquoi on met en prison? Donc, vous voyez quelqu'un, hein, qui a, mashallah, la foi, la science, etc., jamais il se sent seul. Mieux encore, il préfère être seul des fois. Non, il préfère être seul que mal accompagné. Al-Muhim. Allah Azzawajal a dit dans le Coran, Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu. Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Allah Ta'ala a dit, vous n'avez d'autre allié qu'Allah Azzawajal, son messager et les croyants qui accomplissent la salat, s'acquittent la zakat et s'inclinent devant Allah Azzawajal. Et parmi ces étrangers sont ceux décrits dans un hadith rapporté par Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, attendez, je vais essayer de trouver le hadith en arabe. Rubba, attendez, Rubba, Rubba ash'athin aghbar dhi timrayn la yu'bahu lahu, et dans une version, madfou'un 'ala al-abwab law aqsama 'ala Allah 'azza wa jalla abarrah, hadith authentique. Qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, oh, combien de personnes, c'est-à-dire combien il existe de personnes indigentes, pauvres, avec une tenue débraillée, couverte de poussière, auxquelles personne ne donne la moindre importance, auxquelles, il y a une personne à laquelle personne ne donne la moindre importance. Et si pourtant cette personne jurerait sur Allah Azzawajal, alors Allah Ta'ala l'exaucerait. Subhanallah al-Azim. Hadith rapporté par Tirmidhi al-Hakim. Et selon Sheikh al-Albani, al-Ahmatullah, ce hadith est authentique, voire sahih Tirmidhi. Hadith numéro 3854. Je répète, le messager d'Allah a dit, oh, combien de personnes indigentes, de tenues débraillées, couvertes de poussière, à laquelle personne ne donne la moindre importance. Et si pourtant elle jurerait sur Allah, alors Allah l'exaucerait. Subhanallah al-Azim. Dans une autre version, rapportée par Muslim, d'après Abi Huraira, il est ajouté, après avoir dit, indigente, tenue débraillée, couverte de poussière, à laquelle personne ne donne la moindre importance, le messager l'a ajouté, renvoyer des portes. En plus de cela, à chaque porte, elle est renvoyée. Nam, imaginez une personne, nam, avec une tenue débraillée, pleine de poussière, nam, pauvre, et yani, elle va frapper à la porte du ministre, à la porte du président de la République, à la porte du juge de je ne sais pas quoi. Celle-là, on la quoi? On la renvoie des portes. Parce que les gens aiment que la personne vienne bien habillée, avec la cravate, et qu'elle descende d'une voiture de luxe. Celui-là, le ministre va quoi? Va lui ouvrir ses portes. Mais celui-là, le pauvre, il est renvoyé des portes. Mais comme a dit le message de là, s'il jurait, si cette personne jurait sur Allah, alors Allah Azzawajal l'exaucerait. Si cette personne jurait, je jurerais à Allah que vous me fassiez telle chose, ou là que vous fassiez telle chose, ou là que vous me préserviez de telle chose, Allah Azzawajal l'exaucerait. Et l'autre version, où c'est écrit renvoyer des portes, vous pouvez la vérifier dans Sahih Tirghib. Sahih Tirghib de Sheikh Al-Albani, hadith 3211. 3211. Bi'idhnillah Azza wa Jal. Tayyib, on termine maintenant en disant. Une seconde. Tayyib. Ces gens qui sont des étrangers, hein, ont bien sûr des caractéristiques. Quelles sont maintenant leurs caractéristiques? Je dis, parmi les caractéristiques de ces étrangers dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté à suivre, voire à se rivaliser avec eux, c'est le fait qu'ils s'accrochent à sa sunna, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les autres la délaissent. Pour devenir étranger et être loué par Allah Azzawajal, il faudrait quoi? S'accrocher à sa sunna, même si tout le monde se mettrait unanimement d'accord pour la délaisser. C'est aussi le fait, autre caractéristique, c'est aussi le fait qu'il rejette toutes sortes d'innovations bid'a inventées par les gens, même si ces innovations sont de pratiques courantes parmi eux. Hein? Donc, les étrangers, les vrais, ce sont ceux qui rejettent toute forme d'innovation.
inventé par les gens, même si ces innovations sont de pratiques courantes. Naam, maintenant, est-ce que vous connaissez un pays où ils ne fêtent pas, où ils fêtent pas le Maulid al-Nabawi, où ils ne fêtent pas l'anniversaire du messager d'Allah, le Maulid al-Nabawi? Vous connaissez un pays où on ne fête pas? Peut-être, Allahu a'lam. Non, pas peut-être, c'est sûr. On ne fête pas en Arabie Saoudite. Mais dans d'autres pays, je ne sais pas. Donc, les vrais étrangers, ce sont eux qui ne font pas cette chose. C'est une bid'a. C'est une bid'a des chrétiens. Et dans Isa alayhi salam, Jésus et Isa alayhi salam, et quoi? Se désavouent. Naam. Al-Muhim. Alors que c'est une pratique courante parmi, dans tous les pays, parmi toutes, presque toutes les familles musulmanes. Au point où on dit, subhanallah, celui-là, il exagère. D'ailleurs, c'est une preuve qu'il n'aime pas le messager d'Allah. Car s'il l'aimait, il aurait quoi? Il aurait fêté son anniversaire. Subhanallah l'adhim. Celui-là, il n'aime pas le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, on essaie de t'accuser lorsque tu veux t'accrocher à la sunna. Subhanallah l'adhim. Mais le vrai étranger, c'est celui qui ne fait pas la bid'a, même si tout le monde l'a fait. Ce sont également, naam, ce sont également ces étrangers, ce sont également ceux qui sont fidèles à faire le tawhid d'Allah Azzawajal. Le tawhid d'Allah Azzawajal. Même si la plupart des gens sont contre cela. Et là, vous remarquez que c'est, Inch'Allah Ta'ala, ce qui différencie Al-Sunnah Al-Jama'a, Salaf Saleh, des autres quoi? Des autres groupes, des autres factions, des autres sectes. Naam. Salaf Saleh, hein, le groupe sauvé bi'idhnillah Ta'ala, Al-Sunnah Al-Jama'a, ils ont en priorité, c'est d'apprendre le tawhid avec toutes ses formes. Ce n'est pas le tawhid des khawarij et des takfiriyin, le tawhid de mécroire au taghout, comme dit Salah 19 ou l'Abu Romeïsa ou là, je ne sais pas qui. Mécroire au taghout, non, c'est ça le tawhid. Si tu mécrois au taghout et tu dis Al-Qaddafi est kafir, et Bouteflika est kafir, et Hassan 2 ou la Hassan 6 ou là, et kafir, pour eux, Alhamdulillah, tu as mécru au taghout, voilà, on te donne directement un chèque barré, place, tu vas, ta place est déjà au paradis. C'est pas la peine de connaître les attributs d'Allah Azzawajal, c'est pas la peine de connaître ses noms, c'est pas la peine de connaître toutes les choses dans la Aqidah, c'est pas la peine. Al-Muhim, tu dis X et Y, et les gouverneurs des musulmans, ces kuffars, sont des kuffars, Alhamdulillah, 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 tu as ta place au paradis. Tu as place. Répète du matin au soir, kafir, 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 comme ça, du matin au soir, achète un perroquet et achète-lui des cacahuètes et laisse-le répéter du matin au soir à ta place. Inch'Allah, toi et le perroquet, vous êtes, Inch'Allah, tu as la première place au paradis. Masha'Allah, comme c'est facile, le dîn des khawarij et des takfiriyin que l'Azur nous en préserve. Et bien sûr, il y va sans dire que, bien sûr, il y va sans dire que tout le monde est kafir sauf eux. Tout le monde est kafir, sauf qui? Sauf eux, bien sûr, que Allah Ta'ala nous préserve des chiens de l'enfer. Al-Muhim. Les étrangers, naam, et je disais, Al-Sunnah al-Jama'a sont connus par quoi? Par, ils font prédominer le tawhid. Naam, ils font prédominer le tawhid. Les autres, non. Les autres, si tu parles avec le tabligh, il te dit non. Le tawhid, ce n'est pas très important. L'essentiel, c'est de faire la da'wah. Naam. Aller dans les bars, aller dans les discothèques, aller je ne sais pas où, et faire venir les gens pour les faire entrer dans la prière. Ensuite, ils te jettent dans la mosquée et ils te laissent là, ignorant, ignare, dans la bid'a, dans le shirk, dans ceci. Ils te disent, ce n'est pas l'essentiel, je les fais sortir du bar et je les fais rentrer à la mosquée. Ça, c'est le tabligh. Si tu tombes avec des ikhwan muslimoun, ils vont te dire, l'essentiel c'est quoi? C'est la politique. Naam. Comment arriver à être ministre, à être député? Comment arriver à yani, être président de la République? Et là-bas, inshallah ta'ala, quand on va arriver là-bas, on va appliquer l'islam. C'est-à-dire, on ne fait pas comme on fait les messagers d'Allah ta'ala, les 124 000 qui ont été envoyés, qui ont commencé par le tawhid et ont commencé par la base. Cela, non. Il commence par la politique et il commence par le haut, par le sommet. Il commence par président de la République. Ils deviennent président. Après, ils vont appliquer la charia. Il commence pas par la base. Il commence pas par éduquer les gens. Naam. Éduquer celui-là, mon voisin, ma famille, le directeur, le X, jusqu'à ce que la société
deviennent musulmans. Cela, non, ils commencent par le contraire. Et bien sûr, dès qu'ils rentrent dans ces choses, donc dès qu'ils rentrent dans le, comment ça s'appelle ça, attendez, comment ça s'appelle, pour devenir député, etc., dans, dès qu'ils formulent pour la députation, etc., qu'est-ce qui se passe? Il se passe comme Adil Albani, à rahmatullah. Il a dit une phrase célèbre. Il a dit, ils sont rentrés à la députation pour changer, ils ont changé. Subhanallah, ils sont rentrés pour devenir députés. Pourquoi? Pour changer. Pour changer, masha'Allah, et nous donner la charia à la place des lois, etc. Masha'Allah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas changé. Ils ont changé. Eux, ils ont changé. Ils ont jeté le qamis. Ils ont enlevé la barbe. Ils ont mis la cravate, ils ont mis le costume et ils ont oublié leur dîme. Et ils ont couru derrière les villas et derrière les morceaux de terrain et derrière les missions à l'étranger et derrière les devises. Voilà ce qu'ils nous ont rapporté. Naam, Cheikh dit, ces étrangers, qu'est-ce qu'ils ont de particulier aussi? Ils ne s'identifient à aucun parti sauf à celui d'Allah Azzawajal et son prophète. Le vrai étranger, l'élu d'Allah Azzawajal et de son messager, qu'est-ce qu'il a? Il ne s'identifie à aucun parti. Je n'ai pas de parti. Il n'y a pas de parti en islam. Il y a le parti d'Allah Azzawajal et de son messager. C'est tout. Il n'y a pas un autre parti. Dans cette vie, il n'y a que deux partis. Hizbullah, parti d'Allah. Hizbu Shaytan, parti du Shaytan. Il n'y a pas un troisième parti. Ce sont ceux-là, les étrangers. Tandis que d'autres, non. Ils ont des partis politiques, de grands partis politiques. Ils vont entrer dans les partis. Naam. Donc, ceux-là, dit Ibn Qayyim, rahmatullah, les étrangers, les vrais, ne s'identifient ni à un parti, ni à un cheikh. Un cheikh, naam. Moi, je suis tel et tel. Yani, ceux s'affiliant à tel cheikh. Naam. En islam, il n'y a pas de cheikh. Il y a un cheikh qui t'apprend. Tu apprends chez lui. Mais ce n'est pas comme les soufis. C'est-à-dire qu'il te faut un cheikh, sinon tes adorations ne sont pas acceptées. Quiconque n'a pas un cheikh, ses adorations ne sont pas acceptées. Et tu dois, quand tu es avec un cheikh, tu dois yani, être comme le mort et entre les mains de celui qui le lave. Naam, tu dois te yani, être comme le mort qui yani, il est entre les mains de celui qui le lave, c'est-à-dire il ne bouge pas, il ne fait rien, seulement yani, il l'applique. C'est comme ça ils veulent dire. Quand tu es avec le shirk, au point où certains, subhanallah l'adhim, ils mettent, certains soufis, ils mettent la photo de leur shirk dans leur poche. Et comme ça, chaque fois qu'ils sont seuls ou là, ils la tirent comme ça pour l'embrasser et pour lui demander à la photo, qu'il leur fasse des doigts. Et certains font de ces photos de grands posters, qu'ils les mettent dans leur chambre. Et certains mettent ces posters devant la Qibla. Devant la Qibla. Comme ça, avant de dire Allahu Akbar, ils commencent d'abord à demander à son cheikh de lui faire des doigts. Et ensuite, bien sûr, ils se prosternent comme ça devant le poster de son cheikh. Naam. C'est pour ça qu'il dit celui qui n'a pas de cheikh, son cheikh, c'est Iblis, c'est le shaitan. Et nous, on dit, notre cheikh, c'est un seul. Naam. Il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les autres, naam, ce sont qui? Ce sont les ulama, les chouyours, qu'on suit. On leur demande, on ne les suit pas aveuglément. On leur demande, quel est votre dalil? Naam. Quand on demande quel est le dalil, on ne demande pas comme ça avec arrogance. Non, parce qu'on veut débattre, ou on veut critiquer, ou là on veut réfuter. On demande avec. Non, on demande avec, yani, avec science, avec sagesse, avec respect. Non, barakallahu fik cher de m'avoir répondu. Mais beaucoup de gens, yani, si maintenant je vais leur dire ça, ils vont me dire où est le dalil? C'est pour ça que je vous demande, Inch'Allah ta'ala, quel est le dalil? Non, je sais que vous êtes un savant, je vous fais confiance. Juste, je voudrais savoir, inshallah ta'ala, le délire. Naam. Bon, ensuite, il dit, il ne s'identifie ni à un cheikh, ni à une tariqa, confrérie religieuse ou mystique.
نعم. طيب pour le واسمو كي مي فونو comment s'appelle le message le serpent qui m'est venu, j'ai pas compris ce qu'il veut dire. Non, j'ai pas compris ce qu'il veut dire bidin la azawajal. طيب la confrérie religieuse, نعم, tariqa, on dit celui-là il est de la tariqa Tijaniya, celui-là il est de la tariqa Qadiriya, celui-là il est de la tariqa Hibriya, celui-là il est de la tariqa comme ça. Tout ça, il n'y a pas en islam. Tout ça, il n'y a pas en islam. Il y a seulement quoi? Il y a tariqa Muhammadiya, tariqa du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tous les autres compagnons n'avaient pas de tariqa. Ils avaient le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et suivaient sa seule tariqa. Naam. Il a dit, il ne s'affilie pas à un madhhab. Madhhab, école de pensée, rite. En islam, personne n'est obligé, personne ne l'oblige, Allah ta'ala ne t'a pas obligé. Le messager, alayhi sallam, ne t'a pas obligé à suivre un madhhab. Le madhhab, c'est bien de lire qu'est-ce qu'il y a dans le madhhab pour savoir naam, quels sont les dalils naam, de ce savant. Naam. Mais ce n'est pas une obligation de s'enfermer dans un madhhab et de ne jamais le quitter et de ne pas savoir ce qui se passe dans les autres madhhab. Car quand tu rentres dans un madhhab naam, et dans une seule école de pensée, rite, alors tu ne vas plus savoir ce qu'il y a dans les autres rites, ce qu'il y a dans les autres livres. Naam. Tu vas devenir chauvin, tu vas dire seulement mon rite, c'est lui qui a raison. Naam. Si tu es malikite, tu vas dire seuls les malikites ont raison. Ce sont les vrais croyants, pas les autres, pas les chafiites. Ceux-là, ils sont dans le faux. Les hanafites sont dans le faux. Les hanbalites sont dans le faux. Et les autres vont dire la même chose. Mais si, Naam. Tous, on se réunissait autour du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas, il n'y aurait pas ces divergences. Naam. Ces étrangers ne vouent exclusivement leur adoration qu'à Allah, azzawajal, et ne vouent exclusivement leur suivi qu'à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Comme par exemple, au Liban. Naam. Au Liban, par exemple. Quand j'ai parlé de Hizballah, naam, quand j'ai parlé qu'il y avait Hizbullah et Hizbushaytan, quand je parlais de Hizbullah, bien sûr, je ne parlais pas de Hizbullah du Liban. Car le Hizbullah du Liban, c'est le Hizb du Shaytan. Le Hizbullah, je répète, du Liban, c'est le Hizb de Iblis. Hizbullah du Shaytan, du Liban, c'est le Hizb de qui? C'est le Hizb du Shaytan. Naam. Lui qui a fait ce hizb, c'est un shaitan. Ceux qui sont à l'intérieur, ce sont des shayatin. Naam. Pourquoi? C'est un parti, naam, chiite. Si seulement il était chiite. Rafidite, pas chiite. Rafidite. Un parti qui insulte les compagnons et qui dit que notre mère, la pure Aïcha, est une fornicatrice. Naam. C'est un parti qui tue les gens de la Sunna, les tue en Irak et les tue et les décapite en Iran. Naam, vous savez qu'en Iran, c'est interdit d'avoir une mosquée de Sunna. C'est seulement les mosquées des chiites. Et que quiconque est Sunna, vraiment, il vit dans la peur et la terreur. Il faudrait qu'il cache son sunnisme. Al-Muhim, il a dit, ces gens-là, les étrangers dont on est en train de parler, ce sont ceux qui saisissent avec leurs mains du charbon ardent. Même si la majorité des gens, ou plutôt tous les gens, le leur reprochent. D'ailleurs, on va citer un hadith, on va montrer cela. Ensuite, pour bien comprendre l'étrangeté de ces gens-là, il faut savoir qu'Allah Azzawajal a envoyé son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au moment où les hommes suivaient de différentes religions. Donc, ils se trouvèrent entre adorateurs d'idoles et de feu, entre adorateurs de statues et de croix, de même qu'ils se trouvèrent entre les juifs, les zoroastriens et les philosophes. Ainsi, lorsque l'islam apparut au tout début parmi ces gens, ils le trouvèrent étrange. Au point où si quelqu'un parmi eux embrassait l'islam et répondait à l'invitation d'Allah Azzawajal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se trouvait forcément étranger
dans sa quartier, dans son quartier, étranger dans sa tribu, étranger parmi sa famille, étranger parmi ses proches. D'où il était condamné à vivre en étranger parmi ses siens et parmi son peuple. Ensuite, ceci dura jusqu'au temps où Allah Azzawajal a voulu que cet islam connaisse une grande expansion et que les gens commencèrent à l'embrasser par groupe. Et ce, à tel point que, alhamdoulillah, il perdit toute étrangeté. Cet islam perdit toute étrangeté et se propagea de par tout le monde. Mais hélas, après plusieurs générations, les gens reprirent vite les vieilles habitudes qu'avaient abandonnées leurs ancêtres pour l'islam, jusqu'à ce que finalement l'islam redevint étrange à nouveau, comme il avait commencé. Exactement comme l'avait prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point où le véritable islam, celui que le prophète alayhi wa sallam et ses compagnons pratiquaient en leur vivant, est devenu encore plus étrange aux yeux des gens qu'il ne l'était lorsqu'il est apparu au départ. Et ceci, même si ces signes apparents et ces vestiges sont répandus et réputés. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement alors que les étrangers, ces étrangers, ne sont qu'un groupe parmi 72 autres? Comme le prophète a dit dans un hadith authentique, il a dit, ma communauté se divisera en 73 groupes qui tous iraient en enfer, à l'exception d'un seul qui sera épargné et sauvé. On a demandé c'est qui? Il a dit Jama'a. Hadith Hassan. Dans un autre hadith, il a dit Ma ana ali wa ashabi. Il a dit le groupe sauvé, c'est ceux qui sont sur le même sentier sur lequel je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. Non. Donc, les autres groupes, c'est-à-dire les 72 qui ne seront pas épargnés, d'après ce hadith, ce sont ceux qui ne suivent que leurs propres désirs au lieu de suivre le Coran et la Sunna, et n'adorent que leur passion au lieu d'adorer Allah Azzawajal. Ceux-là forment les groupes dont les enseignements sont basés sur des doutes et des innovations et dont l'unique but est la satisfaction de leurs propres désirs. Par contre, le groupe sauvé, Firqa Najiya, dont le but est de réussir à plaire à Allah Azzawajal, en suivant le chemin de son messager, alayhi, ce groupe-là sera perçu comme étrange par tous les autres groupes. C'est pourquoi les vrais musulmans, ceux qui se raccrochent fermement à la sunna, recevront la récompense de 50 compagnons. D'après le hadith où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, des jours pénibles viendront après vous. Vivre à cette époque nécessitera pour les musulmans une patience équivalente à celle qu'il faut pour tenir du charbon ardent dans la main. Quiconque à ce moment-là sera capable d'avoir cette patience recevra alors la récompense de 50 personnes. Alors on lui demanda, Ya Rasulallah, la récompense de 50 personnes d'entre eux? Il répondit, non, la récompense de 50 personnes d'entre vous. Voir Sahih Targhib de l'Albani, hadith numéro 3172. Subhanallah al-Azim. Donc, le message là a dit que viendra un temps où celui qui va s'accrocher à la sunna aura quoi? La récompense de 50 compagnons. Allahu Akbar. Les compagnons se sont étonnés. Ils ont dit à la sunna, d'entre eux, il a dit non, d'entre vous. Subhanallah al-Azim. Donc, cette récompense est due à quoi? Au statut d'être étranger parmi les gens. Donc, Toba, Toba, annoncer la bonne nouvelle aux étrangers. Donc, si le croyant à qui Allah Azzawajal a accordé une clairvoyance dans sa religion et une compréhension dans son livre et dans la sunna de son messager, et en plus, il lui a montré ce que suivent les gens comme passion, innovation, égarement et déviation du droit chemin que suivait le messager d'Allah et ses compagnons. Donc, je répète, si ce croyant, malgré tout cela, a choisi de suivre ce sentier, le sentier d'Allah Azzawajal, le sentier de son messager, le sentier de ses compagnons, alors qu'il se prépare aux critiques des ignorants,
qu'il se prépare à la guerre des gens de l'innovation contre lui, qu'il se prépare à ce qu'on lui fasse du tort et du mal, qu'il se prépare à ce qu'on fasse détourner de lui les gens, qu'il se prépare à ce qu'on fasse acharner les gens contre lui, qu'il se prépare à ce qu'on mette en garde contre lui, exactement comme faisaient leurs ancêtres, les mécréants, avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, dites-moi pourquoi, yani, tous les messagers avaient des criminels, des adversaires, même, contre eux, et nous, on suit le même sentier du messager, on ne veut pas avoir d'adversaire. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. C'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Sourate 25, verset 31. C'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Et toi, tu es qui? Tu es quelqu'un qui suit le prophète. Donc, il est obligé que tu aies, toi aussi, au moins un criminel. Naam, un criminel. Allah Ta'ala n'a-t-il pas dit dans le Coran, Alif Lam Mim, حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولعن الكاذبين 29 verset 2 et 3. Est-ce que les gens, Allah Ta'ala a dit, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, les gens, c'est-à-dire les croyants, on va les laisser dire, nous croyons, sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Naam, je répète. Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire nous croyons sans les éprouver? Est-ce que mon frère, est-ce que ma soeur, est-ce que mon fils, est-ce que ma fille, tu crois que, yani, tu dis seulement je suis croyant et ça s'arrête là? Allah Ta'ala veut te montrer si tu es véridique ou si tu ne l'es pas. Allah Ta'ala sait quand tu as dit je suis croyant. Est-ce que tu l'es ou tu ne l'es pas vraiment? Mais il veut te le montrer à toi et aux gens. Est-ce que vraiment tu es croyant ou tu ne l'es pas? Donc là, il va t'éprouver. Il va t'éprouver, comme a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que la marchandise d'Allah est chère. La marchandise d'Allah n'est-elle pas le paradis? Comme ça, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Certes, la marchandise d'Allah est chère. Ensuite, il a dit, la marchandise d'Allah n'est-elle pas le paradis? Toi, regarde, quand tu veux acheter une chose qui te plaît, regarde, tu peux faire 50, 100 kilomètres à cause d'elle. Tu peux voyager 2-3 jours à cause d'elle pour la ramener. Tu peux aller même en avion dans un autre pays, rester des mois seulement pour ramener cette chose qui t'a plu et y revenir avec. Maintenant, c'est le paradis. Avec ce qu'il y a comme délices et merveilles qui attendent là-bas, sans parler de la vision d'Allah Azzawajal et yani, voir les messagers, tous les messagers, et voir les compagnons, radiallahu ta'ala. Alors, tout cela, tu voudrais d'après toi que tu dis seulement, j'ai cru. Hein? Tu dis, shahadun la ilaha illallah, shahadun Muhammad Abdul Rasulullah, attends, je vais me prosterner, m'incliner, alhamdulillah, je suis croyant. C'est pas comme ça. Allah Ta'ala va t'éprouver d'après quoi? Alhamdulillah. Il éprouve d'après l'iman. Il te donne jamais plus que tu ne peux supporter. Sinon, tu vas t'en détourner. Tu vas dire, non, c'est plus fort. Là, c'est rien, j'aime pas, je ne peux pas. Non, il va te donner seulement d'après ce que tu peux. Juste pour voir, il te donne la dose que tu peux accepter si tu étais sincère. Si tu ne l'acceptes pas, ça veut dire que c'est toi qui as failli à la mission. Ce n'est pas Allah Ta'ala qui t'a donné plus. Non, il va te donner d'après. Celui-là, il lui donne dans sa famille. Celui-là, il lui donne avec les gens. Celui-là, il lui donne avec les frères. L'autre, on lui donne avec les sœurs. L'autre, avec ses parents. Et comme ça, chacun a, yani, des adversaires. Donc, cette personne, yani, si seulement elle commence à dire, j'ai cru à Allah Ta'ala, Allah Ta'ala va commencer à l'éprouver. Maintenant, si cette personne décide non seulement de suivre la sunna, mais décide de faire la da'wah et la prédication au sentier d'Allah Azzawajal, au sentier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus de cela, elle va et elle veut critiquer les déviations et les égarements de
des adversaires. Alors là, on lui fera toutes sortes de torts et de mal possibles. Et on utilisera contre lui, contre cette personne, toutes sortes de stratagèmes et de complots pour entraver sa prédication et sa dawa. Quitte à, bien sûr, le faire entrer en prison ou bien à le tuer. Subhanallah. Donc vous voyez que si quelqu'un seulement il veut suivre la sunna, il commence à avoir des problèmes. Maintenant, s'il veut faire la dawa, alors qu'il se prépare, naam, que quoi? Que ses ennemis ne vont pas le laisser tranquille. Surtout s'il va montrer aux gens leur déviation, leurs égarements, et dire attention X, faut pas le suivre, il est dans le faux. Attention la sœur Y, c'est une tekfiriya, il faut s'éloigner d'elle. Elle pousse les gens à suivre le mauvais sentier. Alors là, on lui fera toutes sortes de torts et de mal possibles. Et on utilisera contre lui toutes sortes de stratagèmes et de complots pour entraver sa prédication et sa dawa. Mais ce que ne savent pas les adversaires, c'est que cette personne qui a décidé de faire cette dawa, c'est que Allah Ta'ala est avec elle. C'est ce que ne savent pas les adversaires. Et que malgré tout ce qui se passe, Allah Azzawajal n'arrêtera pas de la seconder, de l'aider jusqu'à ce qu'il la fasse triompher. En effet, il sera perçu comme un étranger. Hein, les étrangers dont on parle seront perçus comme des étrangers. Pourquoi? D'abord, au niveau de sa religion, à cause que leurs religions sont corrompues. Il sera perçu comme un étranger au niveau de son attachement à la sunna, à cause de l'attachement des autres gens à l'innovation. Il sera perçu comme un étranger dans sa croyance, à cause des mauvaises croyances des autres. Il sera perçu comme un étranger dans sa manière de prier, à cause de leur ignorance de la manière authentique de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Sadaqta ibn al-Qayyim, sadaqta, na'am, sadaqta, wallahi sadaqta. Même dans la salat, dans ta famille, subhanallah, et on va te dire, c'est drôle ce que tu fais, c'est bizarre. Ta grand-mère, ça fait 50 ans qu'elle fait la prière, elle n'a jamais fait comme ça. Subhanallah. C'est étrange cette salade. Le fait de mettre les mains sur la poitrine, c'est étrange pour certains. Il n'a jamais vu. Ça fait 40 ans qu'on voit ton grand-père prier, il n'a jamais fait ça. Subhanallah. Subhanallah. Ici, Allah, je dis, surtout par exemple en Algérie, s'il n'y avait pas par exemple la télévision et que les gens voyaient jour et nuit qu'en Arabie Saoudite, quand on montre à la télévision le Hajj et l'Omra, que 99%, 99% des prieurs mettent les mains sur la poitrine, alors personne peut-être n'aurait accepté. C'est ce qui a fait taire beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos parents. Parce qu'ils voient à la télé, subhanallah, ils réfléchissent, ils disent, subhanallah, il n'y a pas un qui a les mains tendues. Sauf si c'est quoi un chiite. Vous savez, les chiites, ils ne mettent pas les mains sur la poitrine. Ou alors c'est quelqu'un qui suit le rite malékite. Et bien sûr, l'imam Malik se désavoue de cela. Car comme a dit son grand adepte Ibn Abd al-Barr, il a dit, Qubida Malik wa huwa yaqbid. Qubida Malik wa huwa yaqbid. L'imam Malik est mort alors qu'il croisait ses mains sur la poitrine. Ce n'est pas vrai qu'il tendait à droite et à gauche. El-Muhim. Bref, il sera perçu comme un étranger pour tout ce qui touche à sa vie d'ici-bas. Et à celle de son modèle, tendre une main d'aide parmi les gens. Même des fois, la personne se trouve, subhanallah, aucune personne qui veut l'aider. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, hasbunallah wa ni'mal wakeel. Et elle s'en remet à Allah Azzawajal, et Allah Azzawajal, tôt ou tard, il lui donnera une solution. Cet étranger est un savant parmi des ignorants. C'est quelqu'un d'attaché à la sunna parmi des innovateurs. C'est quelqu'un qui prêche au chemin d'Allah et son messager parmi des prêcheurs aux passions et aux innovations. C'est quelqu'un qui prescrit le bien et proscrit le mal parmi des gens qui, pour eux, le mal est un bien et le bien est un mal. Qu'Allah Azza wa Jal nous aide, nous guide, renforce la foi dans nos cœurs et fasse de nous qu'on soit les étrangers qui
qu'il a loué dans son livre et dont Ibn al-Qayyim vient de parler, les étrangers, les élus d'Allah Azzawajal, de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa akhir da'wana, anil hamdulillah rabbil alamin. On passe, inshallah ta'ala, direct aux questions-réponses. Tfadla, inshallah, je vous donne le micro.